L'inauguration de Maya Greta, qui nous offre plus de 127 MW et qui va couvrir tout le pays, est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui fait plaisir à mon entourage. Surtout que c'est une garantie de près de 50 ans. Si désormais maintenant il n'y a pas de coupure, ça veut dire que le Bénin évolue. Ça là, on va féliciter le président. Ça, c'est vraiment efficace. Parce que chaque fois, coupure là, ça nous dérange. C'est quelque chose qu'il faut vraiment louer parce que l'énergie représente une grande chose pour le développement d'un pays, d'une nation. Cela va permettre à beaucoup d'entreprises de venir s'installer au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un pays ait un développement industriel remarquable, il faudrait que ce pays soit de façon, sur le plan énergétique, autonome. Avec la mise en service de Maria Greta 2, le problème de délestage sera terminé. Problème de coupure, mon frigo est gâté, on n'aura plus ça. Même les opérateurs, comme les industries, ils vont s'installer au Bénin. Beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses au niveau des ménages. Vraiment, les coupures insensibles sont éradiquées. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau des entreprises sur le plan macro, sur le plan micro, ça va changer beaucoup de choses et ça va développer l'économie, surtout l'économie. Parce que quand vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, à chaque instant, à 5 minutes, à 4 minutes, on dit qu'il y a coupure, ça ralentit le travail. J'avoue que c'est une grande prouesse de la part des actuels autorités qui sont à la tête de ce pays, et car ça ne sert à rien d'avoir une indépendance politique sans avoir une indépendance énergétique, puisque l'énergie est à la base, n'est-ce pas, du décollage, du vrai décollage de l'économie de tout un pays. Donc c'est à saluer. Nous sommes en train d'aller vers l'autonomie en matière d'énergie électrique, et je félicite vraiment le chef de l'État pour cette option qu'il a prise dans son PAG. Et je le félicite pour que les eaux centrales en cours de réalisation finissent. Ce que le chef de l'État est en train de faire pour notre pays, il faut avoir les yeux vraiment fermés pour dire qu'on ne fait rien. Je félicite le gouvernement et son chef, et son premier chef, c'est-à-dire le président Patrice Talon. Moi, je l'encourage à multiplier d'autres Maria Greta, pour que le Bénin puisse être en mesure au moins de vendre aussi de l'énergie à d'autres pays. Les Béninois auront plus d'aisance, quand vous finissez très fatigué, quand vous rentrez chez vous très fatigué les soirs et que vous n'avez pas de courant, et vous voyez un peu comment ça se passe. La morosité étant là, le climat est vraiment invivable. Et les enfants aussi, surtout les apprenants, c'est tellement difficile pour eux que sincèrement, c'est une très grande prouesse. Et quand on vient dans le monde de l'économie, ça agit fortement sur l'économie du pays, parce que rien ne peut se faire, aucune opération économique ne peut se faire, de grande taille d'ailleurs, ne peut se faire sans l'impact positif, n'est-ce pas, de l'énergie. Vraiment, on va remercier le président Patrice Talon parce qu'il essaie, il est en train de fournir ses efforts. On n'a qu'à l'encourager parce que nous voyons que dans le domaine de l'énergie, le Bénin est en train de se révéler. Avant l'inauguration même de cette centrale thermique, on a déjà vraiment un apaisement dans ce sens-là. Mais avec l'inauguration de cette centrale thermique, sincèrement, ça va soulager la population. Regardez les enfants, pour étudier la nuit, n'arrivent pas à apprendre les leçons. Dans les collèges, dans les établissements, vers 19h déjà, il y a déjà l'obscurité. S'il n'y a pas l'énergie électrique, comment est-ce que les enfants vont apprendre? Surtout dans les coins reculés. Je les exhorte à continuer par rapport aux autres actions qui restent pour qu'on puisse atteindre au moins et faire le maximum par rapport au PAG. Bien vu qu'on est en train de parler de Maria Greta 2, mais essayons de regarder le programme d'alphatage, essayons de voir les voies qui sont en train de bitumer, essayons de voir la route des pêches pour dire que le président est en train de faire un grand effort et je l'encourage à aller loin dans tout ce qu'il fait.